Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale haul. Donc, on aura 3 sacs premium, 2 SLG et beaucoup de vêtements. Donc, on va tout de suite commencer par les sacs. Tout d'abord, je suis passée par la Valley Village et j'ai craqué pour un tout petit sac de chez Furla. Donc, il est encore emballé et je vais pas l'utiliser tout de suite. Puisqu'il s'agit en fait d'un sac plutôt collection printemps-été. Et vous allez tout de suite voir pourquoi je n'ai pas pu résister, tout simplement par rapport à son prix et aussi par rapport à la qualité. Donc ici, j'ai le ticket de caisse, mais je vous dirai après son prix. D'abord, je vous le présente. Donc en fait, on a le pochon qui se présente comme cela. Alors c'est vrai que Furlan, on n'en entend pas vraiment parler depuis quelques temps. On en a surtout entendu parler quand il y avait les fameux sacs transparents, hyper coloris, hyper pop. Je sais plus, je pense, il y a peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça, qui ressemble un peu à des Speedy, enfin des sacs, enfin un sac bowling en fait, si vous préférez. Je sais plus s'il y avait d'autres formes, c'est vrai que comme ça, là, je m'en souviens plus. Mais en fait, Furla s'est surtout fait connaître, enfin en tout cas en France, du moins je pense, par rapport à ces sacs, car je me souviens qu'il y en avait vraiment partout à l'époque. Moi, je crois que j'étais encore étudiante et voilà, il me semblait que j'en voulais en acheter un. Mais finalement, je ne l'avais pas fait, mais voilà. Donc, il y avait pas mal de promotions à la boutique de la Valley Village et je crois que je ne suis jamais rentrée dans leur boutique avant cette visite-là, donc il y a à peu près 3 semaines de ça, si je ne vous dis pas de bêtises. Mais bon, voilà, je sais que ça fait moins d'un mois en tout cas que j'étais à la Valley Village. Et donc, il y avait vraiment une très grande sélection de sacs. Et donc, en plus du prix outlet, il y avait également des soldes sur certaines pièces. Et ça faisait déjà un petit bout de temps que je regardais ce type de sac que je vais montrer dans quelques secondes, mais plutôt version luxe. Donc, je vous mettrai la version luxe, moi, qui me plaisait beaucoup, notamment chez Louis Vuitton. Et donc, voici le reveal de ce petit sac. Donc il s'agit d'un sac en cuir de vachette de couleur plutôt rose clair. Il y a bien la bandoulière avec, que je vais sortir tout de suite. Donc la bandoulière qui est totalement réglable. Et alors, je suis en train de faire tout tomber. J'ai déjà enlevé, vous voyez, tous ces papiers de soie à l'intérieur. Il était vraiment très bien emballé, il est sorti du stock parce qu'il en restait un. Je vais enlever le restant de l'emballage, même si je ne vais pas l'utiliser maintenant, mais bon, c'est plus pour vous montrer le sac comme il est. Donc voilà, là j'ai vraiment tout enlevé, donc le voici. Donc il s'agit d'un petit sac seau avec un petit cordon comme ça pour le resserrer. En fait, il est mi-cuir lisse, mi-cuir grainé. Donc vous voyez sur les côtés, en fait, il est tout en cuir grainé. En dessous, il n'y a pas de pied. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas un vrai sac seau dans le sens où on n'a pas une forme ronde. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce sac en fait, c'est parce qu'il est légèrement aplati. Et en fait, j'ai horreur des très gros sacs. Enfin, moi, j'ai vraiment du mal. Puisqu'en fait, c'est pas pratique pour moi, notamment quand je suis dans les transports. Je vous raconte ma vie là, mais c'est vrai que quand je suis dans le train. J'ai souvent, de toute façon, j'ai quasiment tout le temps mon tote bag pour mettre mon PC portable, le câble, bouteille d'eau et compagnie. Et je n'aime pas mettre mon tote bag par terre à cause de l'hygiène, ce qui fait que je mets mon tote bag par-dessus mon sac, donc je suis assise et par-dessus, donc je mets mon tote bag quoi, que je laisse à mon épaule, mais qui est posé sur le sac que j'ai souvent en bandoulière. Parce que mes sacs sont quasiment. Non, ouais, ils sont tous en bandoulière. Non, à part le petit Longchamp. Et quand c'est gros, et bah du coup ça me gêne parce qu'en fait du coup ça écrase vraiment le sac, ce qui fait que je suis plus team sac plat et que enfin voilà, ça fait que bah, j'ai vraiment craqué pour celui-ci. Vous avez également donc la bandoulière comme je vous disais précédemment, donc hyper qualitative avec donc les petits, donc là sont les petites fermetures donc avec écrit sur là-dessus. Donc c'est du métal doré pâle, je dirais. On n'est pas sur du jaune, c'est vraiment du doré pâle. À l'intérieur, je vais essayer de vous montrer. Donc vous avez l'inscription en grand Furla.
Donc à l'intérieur, c'est marqué genuine leather. Donc ça veut dire que on est sur du cuir pleine fleur qui est pas traité. Enfin, quand même légèrement par rapport à la couleur, mais c'est un cuir qui n'a pas été totalement transformé, si vous voulez. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce qu'on sent vraiment que le sac est hyper qualitatif. Et vous avez également une petite poche là pour mettre les cartes. Et vous avez aussi l'inscription pour savoir où. En fait, là, vous ne le verrez pas, mais ici, le truc gris, en fait, c'est marqué Made in Italy. Donc, ce sac a été fait en Italie. Et de base, la marque est italienne. Donc, en soi, c'est totalement logique. Donc, voilà, j'adore son format. Vous savez que je suis vraiment team petit sac. Mais mon iPhone rentre et il ne dépasse pas du sac. Donc, ça, c'est parfait. Voilà, moi ça me suffit amplement puisque je pourrais mettre bah voilà, mon porte-carte, mes clés, un rouge à lèvres, mon téléphone du coup, des mouchoirs et puis voilà. Je vous ferai des petits mode-shots de toute façon que je mettrai à côté de la vidéo, comme ça vous verrez ce que ça donne sur moi. Mais voilà, on est vraiment sur un format qui me plaît énormément. J'aime le rose, j'aime toutes les couleurs pastel. J'aime aussi, enfin, j'aime autant le bleu que le rose finalement. Et en été, je préfère le rose. Et surtout en été, voilà, j'aime beaucoup porter par exemple, je sais pas, un jean blanc avec une jolie blouse et un sac rose. Je trouve que voilà, ça égaye tout de suite la tenue. Ça fait voilà, tout de suite très féminin, tout en étant sophistiqué. Parce que voilà, on est sur un sac qui fait pas du tout cheap. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Et au niveau de l'expérience en boutique, vraiment au top. J'ai même reçu un mail après ma visite. J'ai reçu également un SMS. Je me suis inscrite d'ailleurs à Furla, voilà, pour avoir la newsletter et avoir toutes les dernières informations, toutes les dernières actualités, quand il y aura voilà, une nouvelle collection, des ventes privées, etc. à la boutique de la Vallée Village. Il y avait un autre sac que j'aimais énormément qui était en raffia, mais malheureusement je ne pouvais pas acheter les deux. S'il y est, en fait je vais sûrement me le prendre la prochaine fois que j'irai donc à la Vallée Village, s'il y a encore. Sinon tant pis. Mais voilà. Alors au niveau du prix, donc si je reprends mon ticket de caisse, et je ne sais pas où je l'ai mis, assigné là. Donc vous voyez même le sac, hein, il est plutôt très sympathique. Et à l'intérieur, on a le ticket. Donc ce sac, à la base, était à... Donc, attendez, je vais vous montrer. Je vais cacher mon nom. Donc ce sac, à la base, il était à 275 euros. Prix à outlet, il était à 186 euros. Et là, on avait un petit prix, donc il m'a coûté la somme de 89 euros, ce qui est hyper, hyper intéressant. On est sur voilà, les prix premium classiques, hein, type Pollen, le Tanner ou autre, mais là, à un prix mini. Donc voilà, vraiment, je ne pouvais pas résister, même si on est en automne-hiver, là, on est vraiment dans la saison froide, et je sais que je ne vais pas le mettre maintenant. Mais voilà, je trouvais que c'était un bon deal. Et voilà, ce que j'aimais aussi, c'était sa petite poignée. Donc voilà, je trouve hyper sympa. Ensuite, on va passer à une marque vraiment chère à mon cœur, on va dire ça comme ça. Puisque voilà, c'est vraiment la marque des sacs que je portais tout le long de mes études, de la L1 jusqu'au M2. Donc c'est la marque Vanessa Bruno. Alors là, il y a encore toutes mes affaires dans le sac que je me suis acheté. Alors cet achat, je l'ai fait au MacArthur Glen Paris-Giverny. Donc on a un joli sac. De toute façon, voilà, Vanessa Bruno, je trouve que c'est quand même un standing au-dessus. Donc voilà le sac en détail. Donc hyper chic. Et vous avez le Dodds Bag en coton. Vanessa Bruno. Voilà, bah, après, y a rien d'extraordinaire, hein, mais c'est toujours bon à avoir pour protéger le sac. Et ça faisait déjà quelques temps que je réfléchissais à me prendre un autre cabas, mais plutôt en taille. Alors, je crois que c'est la taille XS que j'ai. Il me semble que c'est le plus petit qui existe. En fait, j'hésitais entre la taille S et la taille XS. Et finalement, c'est la taille XS qui m'allait le mieux. Donc, il y a encore toutes mes affaires, vous voyez,
à l'intérieur parce que c'est le sac que j'ai porté aujourd'hui. Donc il est plutôt d'une couleur, on va dire, rouille. Donc c'est une couleur que j'adore en ce moment. Même au niveau des vêtements, voilà, tout ce qui va être couleur un peu marronnée comme ça, qui fait vraiment automnale. Je fonds complètement pour cette couleur, que ce soit dans les accessoires, dans les vêtements ou autres en ce moment. Évidemment, si vous connaissez déjà Vanessa Bruno, vous savez que les cabas sont faits en France. Donc on a la petite mention Made in France sur le morceau de cuir, comme ça on voit apposer la marque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors évidemment, il y a... Bon, attendez, je vais vous montrer tout ce que je peux mettre. Donc évidemment, ma pochette clé de Louis Vuitton, où en fait, je range toutes mes clés. Et j'ai un petit pochon, un petit étui de chez Samorga pour protéger même le cuir à l'intérieur. Ensuite, ce que je fais, c'est que là, j'accroche ma clé de voiture. Voilà. Et par contre, évidemment, le très très gros souci de Louis Vuitton, et ça vraiment, ça me dépite, on va dire, c'est que ça devient argenté. Et cette pochette-là, je l'ai achetée, je sais pas, il y a peut-être un an et demi, pas plus. Même ici, au niveau du LV, il y a un peu, c'est un peu moucheté, je sais pas. Bref, c'est ça vieillit hyper mal, je trouve. Le zip, ça va à peu près. Après, la toile, vraiment, elle a rien. Ça, par contre, on peut pas leur reprocher ça, Louis Vuitton. Il y a vraiment rien. C'est hyper résistant. Donc voilà, donc mon porte-carte de chez Chanel, où je range toutes mes cartes bancaires. Bon là c'est des tickets. Bon, j'ai ma carte Navigo comme ça. Carte Navigo, petit miroir que j'ai en ce moment. Donc c'est la couleur Cavalier Seul. Au départ je voulais pas craquer, parce que j'ai déjà plusieurs miroirs de chez Chanel. Je crois j'en ai, je sais pas, 5 ou 6. Parce qu'on m'en offre assez souvent, comme j'achète quasiment tout mon maquillage, tous mes cosmétiques chez Chanel en fait. Mais voilà, j'ai quand même succombé à la tendance et je me suis pris cette couleur. Ensuite, du coup, mon Bastia où je range toutes mes pièces. Et ici, pareil en fait, j'ai acheté un organiseur de chez Samorga. Alors regardez pas ma manucure parce que en fait, j'ai pas eu le temps. Je voulais mettre la nouvelle couleur. Je voulais mettre mon nouveau vernis de chez Chanel pour que tout aille ensemble. Donc je vais vous le montrer. En fait, celui-ci, c'est la nouvelle collection automne-hiver 2023-2024. Voilà, j'aurais dû avoir ça sur les ongles, mais bon voilà, franchement, j'avais pas le temps. Parce que après, je dois monter la vidéo, la publier. J'ai tout un tas de choses à faire, donc je pense que je ferai ma manucure ce soir. Et donc je range des mouchoirs, voilà. Donc rien d'extraordinaire. Par contre, ce que je peux mettre dans ce sac, c'est hyper intéressant. En fait, je peux ranger une bouteille d'eau de 50 cl et mon parapluie quand c'est un petit parapluie. Un tote bag en plus à l'intérieur si je veux faire mes courses. Et voilà, en fait, il est hyper grand. Voilà, c'est une taille XS, mais il est très très grand. Il me suffit simplement. La bandoulière est réglable. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper, hyper pratique. Et là, on est sur des finitions argentées, du coup. Mais vraiment, ça ne me dérange pas. Donc voilà, j'adore ce petit sac. Ah oui, et au niveau du prix, donc je l'ai acheté, je crois, 76 € au lieu de 120 €, et c'était vraiment la dernière pièce dans la boutique, puisque en fait ces cabas ne sont pas faits spécifiquement pour la boutique à outlet, mais ce sont vraiment des invendus, contrairement à certaines boutiques qu'on peut retrouver en outlet. Par exemple, je pense à Ralph Lauren, au Gucci, voilà, qui produisent, où il y a des gammes qui sont produites uniquement pour être vendues dans leur boutique à outlet. Vanessa Bruno, à la base, en plus, c'est une marque, on va dire, assez confidentiel dans le sens où on n'a pas des milliers et des milliers de boutiques dans le monde. Voilà, il y a peu de communication. Je trouve que ça reste quand même une marque très locale, très française. Et donc voilà, ce qui fait que
Si vous allez donc dans cette boutique, eh ben, vous aurez vraiment que les invendus de la marque. Et d'ailleurs, c'est très dommage parce que moi, j'allais beaucoup dans cette boutique quand elle était à Valley Village. Et ils ont fermé Vanessa Bruno, donc je crois il y a 2-3, peut-être non, il y a plus que 2 ans. Donc je pense il y a 3-4 ans, à mon avis. J'étais vraiment hyper malheureuse parce que voilà, j'ai beaucoup de vêtements également de chez Vanessa Bruno. Que j'achetais plus Charlotte par contre que à la Valley Village parce que les prix n'étaient pas très intéressants et on est vraiment sur voilà sur des prix assez haut de gamme quand même chez Vanessa Bruno. Je dirais que les prix ressemblent plus à ceux de Isabel Marant par exemple. Voilà, je comparais plus Vanessa Bruno avec Isabel Marant. Donc voilà, je suis hyper contente qu'il y ait cette boutique au Mercatur Glen. On va passer ensuite à un très gros achat. Enfin, en fait, c'est plutôt un très grand sac. Chez Coach. Donc Coach, il y a aussi à la Valley Village. Mais ça, je l'ai. En fait, cet achat-là, je l'ai fait également au Mercatur Glen. Alors là, en fait, je ne l'ai pas remis dans son plastique. Mais le sac, donc c'est un cabas, était dans son bah, plastique. Et voici le sac. Donc je vais pas vous faire une tonne de suspense pour celui-ci. Il s'agit d'un cabas. D'un cabas en toile enduite. Donc un peu comme à la manière de Louis Vuitton, j'ai envie de dire, mais pas au même prix. Et en moins, enfin en plus discret, voilà, moins reconnaissable. Et en fait, comme il m'arrive quand même de mettre mon sac par terre, notamment quand il est très lourd, quand, en fait quand j'ai pas de place pour m'asseoir, je vous raconte encore une fois ma vie, mais c'est la réalité. Quand j'ai pas de place pour m'asseoir dans le train, quasiment à chaque fois, je pose mon sac par terre parce qu'il est trop lourd et sinon ça me fait trop mal à l'épaule. Donc en fait, je me dis, ça me fait mal au cœur d'acheter. Bah, en fait, moi, dans ma wishlist, j'avais le sac Goyard. Le Nevers Flou, je l'aime bien, mais plutôt pour l'été en version damier azur. Je suis vraiment team damier azur chez Louis Vuitton, même si je sais que ça se salit beaucoup et c'est pour ça que je suis hyper frileuse à m'acheter cette gamme, surtout au prix d'aujourd'hui. Enfin bref. Mais voilà, je cherchais un cabas que je puisse, voilà, déjà qui va avec les manteaux que j'aurai cet hiver. Et qui soit assez grand pour tout mettre, qui se ferme. Donc ici, il se ferme en haut via un bouton pression. Et avec des anses relativement larges. Et malheureusement, dans le cabas Saint-Louis, ce n'est pas du tout large pour l'avoir essayé en boutique. Ce qui fait que c'est impossible de mettre un gros manteau et le cabas. Donc le cabas Saint-Louis, si malgré tout je craque un jour, ça sera vraiment un sac d'été que je porterai voilà, quand j'aurai bah, un petit haut. Donc quand j'aurai pas nécessairement des couches d'épaisseur sur moi. Et ça sera plutôt un sac pour faire du shopping, enfin pas pour travailler finalement, ou alors de façon exceptionnelle, je le ramènerai au bureau. Mais voilà, je sais d'avance qu'il ne sera pas pratique. Et là, bah, j'avais grandement besoin d'un cabas, puisque voilà, j'avais acheté deux Longchamp l'année dernière. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que la taille S, je crois que c'est la taille S, non, c'est la taille M, bah, en fait, c'était légèrement petit pour mon PC, parce qu'en fait, il était tout juste au niveau de la... Enfin, c'était tout juste au niveau de la hauteur. Je pouvais pas le fermer et les anses, elles étaient un peu petites. Et je pouvais pas tout mettre, par exemple, mon écharpe et tout. Enfin, ça rentrait pas forcément. Ou alors, ça faisait un énorme. Ça le remplissait de trop. Voilà, ça faisait très moche. Et j'ai acheté la version au-dessus, plutôt en bleu. Et là, par contre, j'ai le problème inverse. Du coup, c'est beaucoup trop grand. Ça passe, mais c'est un peu trop grand. En tout cas, ça me va pas trop sur ma silhouette. Ce qui fait que quand j'ai des manteaux très ajustés, bah, on voit que le sac qui est énorme. Et qui ne va pas du tout. Et en plus, ils n'ont pas vraiment de structure, les sacs Longchamp. Ce qui fait que bah, je pourrais résoudre mon problème peut-être en trouvant un organiseur. À voir. Sinon, c'est vrai que ça fait très moche. Donc, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir à quel sac acheter, chez quelle marque, etc. Et quand même, j'allais dire Goyard, n'importe quoi. Et Coach sont quand même connus pour faire des sacs très qualitatifs. Si vous suivez aussi Tanner Leatherstein, donc c'est un, oui, c'est un maroquinier qui fait des dissections, on va dire, de sacs à main pour voir vraiment quel est le coût du sac. Et il fait notamment ça sur des sacs de luxe.
Il a fait plusieurs analyses sur les sacs coach et pour lui, il y avait un excellent rapport qualité-prix. Et donc voilà. Et c'est vrai que j'ai déjà eu un sac coach en cuir grainé noir que je n'ai plus, mais qui était effectivement très qualitatif. Voilà, je l'ai beaucoup porté et j'étais hyper contente. Donc vraiment, j'ai pas eu de problème avec coach. Alors par contre, le sac blanc que je m'étais acheté cet été, je vous avais fait l'unboxing. Du coup, lui, je l'ai revendu parce qu'en fait, ce qui m'énervait, c'est que en fait, c'était un sac un peu, un sac, comment dire, cylindrique. Il se retournait tout le temps quand je le portais et la bandeur était beaucoup trop large en proportion du sac. Du coup, ça m'a tout de suite saoulée. J'ai arrêté de le porter. Je crois que je l'ai mis peut-être 3-4 fois. Voilà, de toute façon, je l'avais acheté en outlet, donc en soi, c'était pas très grave. Mais côté qualité, voilà, pareil, j'ai pas eu de soucis. C'est juste que, en fait, la forme et la bandoulière ne me convenaient pas vraiment. Et la couleur aussi, parce que du coup, je l'avais pris en blanc. Et les traces arrivaient hyper rapidement. Donc voilà. Voilà, je crois que j'ai parlé trop longtemps pour ce sac. Je vais vous montrer quand même l'intérieur. Donc ici, on a une très large pochette. Donc qui est en coton, qui n'est pas en toile enduite. Alors, dans l'autre sens, vous avez l'inscription coach en doré. Je me demande même s'il n'est pas réversible ce sac. Ça me paraît bizarre qu'il y ait ça en doré. À voir. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un numéro de série. C'est vrai que je ne m'y connais pas énormément, sa coach, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un numéro de série sur le bouton. Et vous avez donc la petite plaque qui est enfin, qui permet d'authentifier le sac, on va dire. Et je ne savais pas, mais en faisant des recherches sur Coach il y a quelques temps, j'ai appris que Coach était la première grande entreprise dans le monde. À inscrire des numéros de série uniques pour ces sacs. Donc voilà, bien bien avant Chanel, enfin toutes les marques qu'on connaît aujourd'hui, ça a été un peu les pionniers dans ce sens. Et donc voilà, je trouve que c'était hyper intéressant à savoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En dessous, il n'y a pas de pied, mais ça j'ai envie de dire, c'est normal. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que la couture, quand même, elle est assez originale. Donc je pense que c'est pour que le sac ne s'abîme pas trop sur les coins, puisqu'en fait les coutures sont plutôt en dessous le sac et pas sur les côtés. Donc je verrai après son utilisation si c'est vrai ou pas ce que je vous dis. Mais moi je pense que du coup il va moins s'abîmer, parce que la couture elle est ici et pas sur le côté. Et alors au niveau de la référence, la voici si vous êtes intéressé. Et moi donc je l'ai pris dans cette couleur voilà chocolat, couleur un peu ébène comme ça et noir. Et au niveau du prix, alors là je vais reprendre le ticket parce que je vous explique. En fait ce qui se passe c'est que donc il y avait des soldes déjà dans la boutique. Et ce que je ne savais pas c'est que à partir de 300 euros d'achat il y avait encore moins 30%. Ce qui fait que voilà, c'était hyper intéressant. Et comme j'avais déjà dans l'idée de me prendre un porte-carte pour ne pas trop abîmer mon porte-carte Chanel, parce que voilà, je l'utilise vraiment tous les jours, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre le porte-carte qui va avec le sac. Donc du coup, je me suis pris un porte-carte. Et j'ai adoré parce que il est également vert foncé. Voilà. Et vous avez également. Après, c'est un porte-carte classique, hein, mais vous pouvez ranger aussi des cartes au milieu. Donc là, il y a tous les petits papiers. Et il manquait, je crois, 3 euros, ou je sais plus, bref, quasiment rien pour arriver à 300. Ce qui fait que j'ai craqué sur un deuxième SLG. Donc pareil, avec. Donc là, il y en a une petite dragonne en vert foncé. J'adore cette couleur aussi en hiver. Et c'est vrai que ça se marie très bien avec la couleur chocolat.
Et en fait, j'adore ce style de pochette qui me fait rappeler un peu à la Hopewatch de chez Chanel que j'aimerais beaucoup me prendre. Et également à la pochette mini-accessoire de chez Louis Vuitton que j'ai déjà eue mais qui s'est abîmée d'une façon inexplicable. Et comme ça me faisait trop mal au cœur en fait de l'abîmer parce que je la mettais dans mes sacs, mais normalement bah, c'est une pochette pour mettre dans ses sacs, j'arrêtais pas de penser au fait que je l'ai achetée 550 € et qu'elle était en train de s'abîmer entre mon ordinateur, mon parapluie, mes mouchoirs, bref. Et donc voilà, j'ai préféré la revendre tout simplement. Et là, j'aurais donc moins mal au cœur avec bah, cette pochette-là si elle s'abîme. Mais je suis quasiment sûre qu'elle s'abîmera moins finalement que la pochette de Louis Vuitton. J'en suis quasiment sûre. Voilà, donc c'est hyper, hyper pratique. Hein. On peut ranger tout et n'importe quoi à l'intérieur. Ça me permettra d'organiser un peu mieux aussi bah, mon cabas. Et donc, je pense utiliser ces deux SLG, donc la pochette et le porte-carte bah, avec mon cabas. Donc voilà, je suis parée pour aller travailler. Au niveau du prix, grâce à toutes ces réductions. Alors attendez, d'abord je vais vous donner quand même les prix d'origine. Ah oui, en fait que ce soit. En fait là, ces deux SLG coûtaient à l'origine 95 € chacun. Et le tote bag était à 495 €. Et au final, l'ensemble, donc le cabas plus ces deux SLG, j'ai payé 242 €. Ce qui fait que c'est comme si j'avais eu gratuit ces deux SLG. Et je trouve que voilà, c'est une super réduction puisque normalement j'aurais dû payer 700 € pour ces trois articles et j'ai payé 240 €. Je vous mettrai l'économie que ça m'a donnée, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas mieux en termes de prix. Encore une fois, voilà, c'est un sac que je vais porter tous les jours, que je vais vraiment rentabiliser et que je n'aurai pas peur en fait de salir, enfin d'abîmer en fait, si vous préférez. Et ça reste quand même voilà une marque premium. Qui est reconnue dans le monde entier et qui fait voilà, des produits vraiment de qualité, des sacs de qualité. Donc encore une fois, je suis vraiment ravie de ces bonnes affaires que j'ai pu faire donc, dans cette boutique Outlet. Ensuite, on va passer à une marque que j'adore depuis pas très longtemps parce que en fait, voilà, je fais pas mal de recherches depuis ces derniers jours, ces dernières semaines. Puisque voilà, je suis à la recherche de mailles plutôt de qualité, enfin de cardigan, de mailles pour l'hiver de qualité. Donc type Cézanne, c'est vrai qu'au départ je voulais vraiment m'acheter ce type de marque. Sauf que le prix me rebutait un peu et moi je suis vraiment Miss Outlet, Miss Bonnes Affaires. Autant voilà, dans des accessoires type chaussures ou sacs, je suis vraiment prête à mettre le prix. Si je souhaite voilà une marque de luxe que j'adore particulièrement. Mais par contre, au niveau des vêtements, c'est vrai que en fait, il y a toujours moyen de faire une très bonne affaire. Et j'adore faire du shopping dans les outlets, puisque bah, les soldes sont toujours beaucoup plus intéressantes. Et voilà, en fait, on n'est pas du tout démodé en allant en outlet, bien au contraire. Et je vais vous prouver tout cela avec donc ces achats que j'ai effectués chez Cyrillus. Cyrillus, encore une fois, c'est une marque inconnue au bataillon sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'adore. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que je n'ai pas envie d'acheter. Au contraire, ça me fait encore plus envie d'acheter des choses dont personne ne parle et que personne ne porte finalement. Puisque voilà, on parle beaucoup de Cézanne, mais quand on voit que les mailles sont autour de entre 100 et 150 € pièce, après, si vous avez déjà une belle collection de vêtements et que en fait vous êtes très classique dans le sens où, je dis n'importe quoi, mais si avoir un pull noir, un pull blanc, un pull gris, un pull rose, ça vous suffit,
avec une forme voilà très classique, etc., que vous pourrez et enfin, si ce sont des vêtements avec lesquels vous pourrez tourner voilà toutes les semaines, etc. Moi, en fait, c'est pas le cas parce que j'adore vraiment la mode, j'adore m'amuser avec les motifs, avec les matières, avec les coupes. Je déteste porter la même chose. Voilà, je suis comme ça depuis toujours en fait, et j'ai une passion pour la mode et pour les beaux vêtements de voilà de belle qualité, de bonne facture tout simplement. Et j'aime découvrir tout un tas de marques. Je ne m'arrête pas qu'à une seule marque. J'adore faire du shopping. Je peux passer vraiment toute la journée à faire du shopping. Donc voilà, je vais pas être ce type de personne qui va essayer d'économiser du temps, qui n'aime pas faire du shopping, qui va commander que sur Internet, qui va commander le même nombre de chemises avec la même couleur, mais genre tous les 5 ans. Absolument pas. Je suis pas du tout cette personne-là. Et donc voilà. Comme j'ai besoin de plusieurs pièces, je ne peux pas aller forcément dans des marques type Cézanne, Sœur APC, hors solde en tout cas. Ce qui fait que, en fait, j'ai quand même fait une très très bonne découverte avec Cyrillus, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que ils utilisent vraiment des tissus d'hyper bonne qualité. Vraiment, les articles sont. Vous pouvez regarder n'importe quelle composition, c'est extra. Zara, vous voyez, par exemple, vous pouvez trouver des belles choses, mais ça va être un pull sur 10 qui va être en laine et tous les autres seront en polyester. Et chez Cyrillus, c'est vraiment pas le cas. Il y a même des collaborations parce qu'en fait, je suis partie sur le site internet pour voir s'il n'y avait pas d'autres articles qui m'intéresseraient, pas en outlet, mais vraiment en boutique quand il y aura les soldes parce que je fais déjà mes repérages. Et j'ai pu voir par exemple qu'il y avait un partenariat avec la société Les Trois Tricoteurs, donc qui est une société donc soi-disant donc éco-responsable et de nouvelle génération située dans les Hauts-de-France. Et c'est une société avec laquelle Cyrillus voilà, fait un partenariat pour certains pulls. Donc voilà. Je vais vous montrer tout de suite ce que je me suis acheté. Alors tout d'abord, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette chemise, qui est une chemise verte, on va dire, donc plutôt en jacquard, enfin en coton de jacquard. Donc les manches sont comme ceci, évidemment il y a un fil. Voilà. Donc j'adore ce type de détail. Vous avez le col qui est comme ça. À taille relativement petite parce que j'ai dû la prendre en taille 38, mais ça équivaut à une taille 36. Au niveau de l'étiquette, qu'est-ce qu'on a? Alors si vous ne connaissez pas Cyrillus. En fait, il y a des petites explications. Je vais vous lire vraiment ultra rapidement parce que je pense que c'est pas très connu. Donc Cyrillus, à la base, c'est une marque parisienne. Et donc c'est écrit, voilà, depuis 1977, nous cultivons à travers nos collections le goût du beau, le savoir-faire et l'exigence, recherche des plus belles matières, travail des coupes et des plus petits détails. Chaque modèle est le reflet de ce que nous sommes et de notre style. Ce vêtement a fait l'objet d'une attention particulière. Nous l'avons conçu pour qu'il vous accompagne et que vous l'aimiez très longtemps. Donc voilà, je trouve que ça résume bien ce que je vous disais précédemment. On voit que ce sont des vêtements de très très bonne qualité, hein, tout simplement. Au niveau de la composition, si on regarde rapidement, parce que sinon je sens que cette vidéo va durer très très longtemps, on est donc sur du 100% coton et elle est faite en Inde. Voilà, juste pour info, on n'est pas sur du Made in Europe. Et la référence, donc c'est Émilie Jacquard, si jamais vous voulez la rechercher. Je ne sais pas si elle est sur le site, parce que en fait, j'ai vu qu'il y avait des articles en fait, qui sont en outlet, que j'ai acheté, mais qui sont aussi sur le site donc, de la collection actuelle. Donc encore une fois, cela prouve que ce ne sont pas des invendus. Mais ce sont des articles qui sont réellement en boutique. Et ce n'est même pas des collections des années précédentes, enfin pas pour tous les vêtements. Donc cette chemise en prix outlet. Alors par contre, je n'aurai pas le prix initial, sauf si je retire l'étiquette. Je vais le faire pour vous. Mais je pense qu'elle est aux alentours de 80 € au prix d'origine. Malheureusement, je ne verrai pas le prix. Mais prix à outlet, on est à 48 € et
il y avait des soldes, donc moins 40 supplémentaires. Donc c'était une super, super affaire. Mais je pense qu'on était vraiment sur du 70 ou 80 € pour cette chemise. Ce qui est encore une fois vraiment pas cher parce que quand je suis partie voir le site de Cézanne juste avant, leurs chemises sont à minimum 100 ou 110 €. Et encore une fois, ici, vous êtes vraiment sur le même type de qualité, hein, voire peut-être un peu plus même. Donc voilà. Avec ça, en fait, j'ai pris un gilet parce que, évidemment, cet hiver, j'aurai froid si je mets que cette chemise. Ce qui fait que je me suis pris ce cardigan qui contient, je crois, de l'alpaga, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a de l'alpaga, c'est ce que j'avais vu. Ça, c'est un gilet. Alors, je ne sais pas s'il y a cette couleur. Mais en fait, il y en a plusieurs qui sont sur le site, qui sont vraiment, en fait, c'est le même modèle que ça. Je crois qu'à la base, ils sont à 90 €. Prix outlet, en tout cas, il était à 62. Et j'ai eu moins 20 supplémentaires. Donc, encore une fois, méga bonne affaire. Donc voilà, je le mettrai par-dessus la chemise. Et je vous ferai des mode shots de toute façon pour que vous voyez ce que ça donne. Ensuite, dans la même idée, donc je me suis pris une chemise en coton également. Donc là, ici, c'est une taille 36. Donc j'ai adoré, enfin je vous disais hein, de toute façon en début de vidéo que j'adore ce type de couleur en ce moment. Donc une couleur un peu... ouais, c'est un peu du brun avec des rayures blanches et bleu marine, je dirais. Je pense, ouais, bleu marine. Le petit col avec ses petits détails comme ça plissés, je trouve ça vraiment hyper chic. Vous avez également le détail plissé au niveau des manches que j'adore. Vraiment, moi j'adore ce type de détails au niveau des manches. Derrière, rien de révolutionnaire, mais vous avez... Enfin, les tailler comme cela. Et on est, je pense, aussi sur du 100% coton. C'est bien ça. Donc 100% coton. Et on est sur... Alors ici, on est sur du Made in Morocco, donc Maroc. Voilà. Au niveau du prix. Donc prix à outlet, 55. Et je vois pas le prix d'origine, mais je pense qu'on était sur du 80 €. 80 ou ouais, maximum 80, je pense. Et par-dessus, j'ai eu une réduction de moins 30. Avec cette chemise, j'ai craqué pour le gilet. Donc le même gilet que le vert. Sauf que, en fait, ici, c'est une taille XS. Parce qu'en fait, il n'y avait plus de taille XS pour le vert. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste que ça fait un peu plus loose, c'est très bien aussi. Et voilà, donc j'ai pris ce cardigan pour aller ensemble. Au niveau du prix, c'est la même chose, 62 € prix à outlet. Et là, il n'y avait pas de solde, donc je l'ai payé plein pot. Enfin, pas complètement parce que je l'ai pas payé 90 €. Et la dernière pièce, donc un petit t-shirt manche longue que je pourrais mettre en dessous, par exemple un pull bleu marine ou bien avec un, je sais pas, un autre cardigan. Donc voilà, encore une fois, j'adore ces petits détails plissés. Je trouve ça vraiment trop joli. On a des boutons marron comme cela. Les manches ici, ben, on est sur du basique, donc très simple. Le bas, pareil. Hyper simple. Et là, c'est écrit qu'on est sur du coton biologique. Ce qui signifie quoi? Bah, je vais vous lire ça tout de suite. Nous avons choisi donc pour ce... Donc c'est ça que je lis, hein. Donc nous avons choisi pour ce modèle du coton biologique, plus respectueux de la planète. Le coton bio est produit de manière plus naturelle, sans pesticides, ni engrais chimiques, sans OGM. Sa culture nécessite beaucoup moins d'eau que le coton conventionnel. Sa fibre est aussi anallergique et plus douce pour nous. Voilà. Alors son prix était vraiment pas cher. Hein. Vraiment pas cher parce que prix à outlet 34. Et j'ai eu des soldes par-dessus, moins 20. Ce qui fait que au total,
Et je suis en train de me dire, est-ce que ces chaussures n'iraient pas parfaitement avec ce top? Parce que comme ces chaussures sont plutôt pour le printemps, ça pourrait faire une tenue de mi-saison, mais trop trop belle. Je vais essayer les chaussures pour voir. Et donc avec les chaussures, évidemment, mon petit vanity de chez Chanel que j'aime vraiment d'amour. Et j'adore ce petit détail en dessous. Donc je ne sais pas si je mettrai, enfin si je ferai cette tenue exactement pareille, mais je trouve que le vert sapin va vraiment très bien avec les chaussures. Voilà, je pense qu'on voit un peu mieux. Et non, vraiment, je suis absolument fan. Après, je pense que je mettrais plutôt un jean parce que je ne mettrais pas cette tenue pour aller travailler. Et là, c'est vraiment mon pantalon pour aller au bureau. Donc voilà, je trouve ça fait un peu bizarre de voir un pantalon pour aller au bureau avec un petit sac qui fait vraiment pas sec pour aller travailler. Voilà. Mais vraiment, ces chaussures, c'est peut-être mes préférées avec mes slingbacks beige et noir. Et voilà, je suis trop contente du coup de ce petit ensemble Cyrillus. Le tout m'est revenu à 209 euros. Donc vraiment pas cher du tout pour cette qualité de vêtements. Et je suis hyper hyper satisfaite parce qu'en fait 200 euros c'est quoi? C'est le prix de deux gilets prix neuf. Ou le prix d'un seul gilet chez Cézanne avec un t-shirt de chez Cézanne. Voilà. Et là j'ai quand même 5 pièces dont deux cardigans avec de l'alpaga, deux chemises 100% coton et un t-shirt manche longue 100% coton également. Ah oui, et pour couronner le tout, à partir de 60 euros d'achat, on avait un tote bag gratuit qui normalement était apparemment à 8 euros. Donc voilà, on est sur un très très joli tote bag en toile de Jouy. Moi je suis passionnée par la toile de Jouy littéralement. Et alors à l'intérieur, bah on a la petite étiquette Cyrillus. Sur le côté, c'est inscrit fabriqué en France en fibres recyclées. Et voilà, je pense qu'il me servira bien celui-ci. Et en plus, il est trop trop chic. Enfin, il est trop beau comme ça en toile de Jouy. Donc vraiment, j'adore. Alors, lors d'une précédente visite, je m'étais acheté ce pull. Je sais que vous avez été quelques-unes à me demander d'où il provenait. Et bien, il provenait de Cyrillus, tout simplement. Ce pull, typiquement, il est sur le site, mais il n'est pas soldé. Donc, il est à 80 euros sur le site de Cyrillus en ce moment. Donc là, moi, je l'ai pris en taille S. Mais je crois que je l'avais payé, bah, du coup, 50 euros. Alors, la boutique, elle n'est pas à Belle et Village. Elle est à One Nation Paris, dans le 78, donc à côté de Versailles. C'est à, environ à, oui, on va dire 10-15 minutes max de Versailles. Et voilà, donc on est sur un joli petit pull comme ça, pas trop épais. Au niveau de la composition, je vous dis ça tout de suite. Donc on est sur du 55% laine et 45% coton. Et au niveau de la fabrication, made in China. Voilà, donc là vous avez vraiment toutes les infos. Mais vraiment, voilà, j'adore cette marque et j'adore ces petits détails comme ça. Voilà, franchement, j'adore. Ensuite, pour terminer, mon autre marque préférée en ce moment pour les vêtements, comme ça, sur le papier, ça fait pas rêver, mais c'est Monoprix. Parce que de base, j'adore faire mes courses à Monoprix. Et c'est vrai que je regarde de plus en plus leur côté, le côté vêtements. Je connaissais déjà, hein, j'avais déjà certaines pièces et tout, mais je trouve que depuis un an environ, leurs collections sont vraiment hyper belles. Encore une fois, hyper qualitatives. Je trouve qu'on est un peu sur la même chose que Cyrillus. Peut-être en un peu moins qualitatif, évidemment. Parce que voilà, Monoprix, à la base, ils ne sont pas centrés sur les vêtements uniquement.
Mais par exemple, vous avez aussi beaucoup, voilà, par exemple, les t-shirts, c'est du coton bio, etc. Et justement, aujourd'hui, je porte une chemise de chez Monoprix en coton bio également. Donc voilà, avec des détails un peu brodés comme cela et des détails plissés. Et j'ai également craqué pour cette jupe en gros velours. Bah pareil, de chez Monoprix. Elle est évasée, je vous ferai de toute façon des mode shots. Et voilà, j'adore, j'adore. Je me suis pris aussi des bottines en cuir noir. Je crois que je vous ai déjà montré, que vous verrez également dans les petites vidéos que je vais vous mettre sur le côté. Et j'ai fait une autre commande, puisque j'avais essayé en fait une robe chemise en velours beige que j'ai mise pendant mon essayage avec ma ceinture Kelly en couleur étoupe et j'ai trop aimé le combo. Ce qui fait que je me la suis commandée. Dans cette commande, en fait, j'ai commandé ce chemisier parce qu'il était. Je ne le trouvais pas en taille 36 dans les boutiques. La robe chemise, en fait, elle est ici. Donc là, voilà, je viens de la déplier. Mais la voici. Donc, c'est une robe chemise, pareil, avec le même velours que sur la jupe que j'ai aujourd'hui. Et qui est plutôt de couleur beige. Moi, je l'ai surtaillé parce que j'aime pas quand c'est moulant. Du coup, j'ai pris du M. Sinon, bah, c'était le S qui m'allait à la base. On est sur du 55 pour. Ah, c'est marrant parce qu'en fait, ils indiquent. Pour eux, c'est pas la même chose. Ils indiquent donc 55% de coton recyclé. Je vais y arriver. Et 45% de coton. Donc voilà, apparemment Monoprix s'engage également, mais bon, j'ai envie de dire, il faut que tout le monde s'engage pour la planète, hein, puisque sinon on n'y arrivera pas. Enfin bref, je suis en train de changer de sujet. Ici, on a le prix, donc 49,99 €. Et vous avez la petite référence. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Je ne sais pas si je ferai tout aujourd'hui, enfin pour les liens. Peut-être que je vous les mettrai le jour d'après, ou enfin pas forcément en même temps que la publication, parce que voilà, j'ai le montage, je pense qu'il va me prendre quand même beaucoup de temps. Publication également, parce qu'on va être sur une longue vidéo, ça va prendre pareil 1 ou 2 heures pour la publier. Et si je dois encore rechercher tous les liens et tout, je pense que voilà, j'aurai pas le temps de me reposer aujourd'hui. Ce qui fait que je vous mettrai toutes les références peut-être plutôt demain. Voilà, je vais voir ça, ou ce soir si j'ai le temps. Mais c'est pas sûr du tout. Alors, pour la chemise, je voulais vous montrer. Mais voici l'étiquette, enfin la référence. Donc, au prix de 39,99 €. Et on est vraiment sur voilà, quelque chose de qualité. Et qu'est-ce qu'on nous indique? Donc, oui, donc c'est ça ce que je vous disais, c'est qu'on est sur du coton biologique pour cette chemise. Et. J'étais aussi tombée amoureuse de ce pantalon, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je le renvoie ou pas. On est sur un pantalon en laine avec des petits boutons sur le côté. J'ai adoré ce motif. Et le problème, c'est que en fait, il est un peu trop long pour moi. Donc, je ne sais pas ce que je fais de ce pantalon. Peut-être que je vais faire un ourlet tout simplement. Mais c'est vrai que j'avais pas ce type de pantalon dans ma garde-robe. Et il fait vraiment bah, voilà, très, très automne-hiver. Moi j'adore. À l'intérieur, il est de cette couleur-ci. Et là, il taille petit. Ce qui fait que je l'ai pris en taille 38. Son prix, alors pas cher du tout hein, pour cette qualité de vêtements, puisqu'on est sur de la laine, hein, comme je vous disais. On est sur un prix de 59,99 €. Je pense typiquement que ce type de pantalon chez Zara, ça aurait été ouais, facilement 70 € à mon avis. Il s'ouvre, enfin il y a un zip en fait sur le côté pour pouvoir le mettre. Et même le zip est de la même couleur que le tissu à l'intérieur, donc un peu brun comme ça, marronné. Il y a des poches évidemment sur le côté. Il y a des poches, enfin, c'est pas des poches, mais c'est des petits détails de poches derrière. Et voilà, je le trouvais vraiment hyper chic.
J'aimerais aussi beaucoup m'acheter la jupe en cuir de chèvre de couleur un peu pareille. Je sais pas si c'est rouille ou camel. Enfin, c'est un peu entre les deux. Je vais attendre les soldes. Et je voulais aussi m'acheter le blazer en tweed vert, qui est du coup en rupture de stock. En fait, je suis trop dégoûtée parce que je pensais que ils allaient en recevoir pas assez régulièrement. Et en fait, pas du tout. Une consoeur m'a bien dit que c'était en fait une édition limitée. Ce qui fait que je pourrais plus jamais le retrouver dans ma taille. Donc je suis trop déçue. Il était en plus pas très cher, à 79 € et encore une fois hyper qualitatif. Et j'adore le vert en hiver et malheureusement, voilà, je ne l'aurai pas. Je regarderai peut-être de temps en temps sur Vinted pour voir s'il y a quelqu'un qui le revend tout simplement. Sinon, tant pis pour moi. Et chez Cyrillus, pareil, ma wishlist s'est agrandie. Je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 pièces que je veux m'acheter en solde. Voilà, donc je sais pas, peut-être que je vous ferai une petite wishlist si ça vous dit. Parce que j'ai également, en fait je prépare déjà hein, mais les soldes d'hiver. J'ai également repéré des articles chez Bash, chez Sandro, et non, c'est tout. Mais j'ai aussi une wishlist chez Massimo Dutti. Bref, voilà, donc je vais m'arrêter là, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. J'espère n'avoir rien oublié et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.